Métropolis. Actuellement avec Myriam de Voskil, édition numéro 7. Bonjour Myriam. Bonjour. Bonjour à tous nos auditeurs. Je suis actuellement avec Myriam de Voskil, édition numéro 7. Bonjour Myriam. Bonjour. Tu as déjà fait des concours de chant, hein, c'est ça, hein? Oui. Est-ce que déjà dans les concours de chant, c'est une grosse expérience pour toi? Tu te sens à l'aise sur scène? Oui, je me sens très à l'aise. Donc, on va te poser déjà un petit peu la question. De Voskil, est-ce que tu as eu beaucoup de trac? Est-ce que ça s'est vraiment bien passé? Comment t'as trouvé Un peu stressée quand même d'être sur le plateau de The Voice, parce que c'est quand même une très belle aventure. Mais après, j'étais très 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 heureuse de réaliser mon rêve. Alors, on va parler un petit peu musique avec toi. Tu chantes du Lara Fabian. Est-ce qu'il y a d'autres chanteurs ou que tu aimes chanter, mis à part Lara Fabian? Je chante vraiment de tout. De tout. Tous les chanteurs différents, tous les styles différents. En français? Oui, en français. En français, tu préfères chanter en français. Quand est-ce que tu as une chanteuse préférée? Lara Fabian, c'est vraiment ta chanteuse préférée ou tu as d'autres? Oui. Lara Fabian et Soprano. Lara Fabian et Soprano, c'est tes chanteurs préférés. Oui. Alors, musicalement, tu as fait déjà une prestation. Tu te lances aussi dans une autre aventure, puisque c'est l'aventure des médias, puisque je pense qu'aussi les médias vont aussi vouloir te poser certaines questions de ton expérience, surtout. C'est aussi une grande première pour toi? Oui. Alors, tu es encore, je crois, tu es en sixième, hein, tu es rentré en sixième. C'est ça, j'ai sauté une classe. Tu as sauté une classe et tu voudrais être par la suite docteur, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Et docteur en chantant, ça peut le faire aussi, hein, pour guérir la malade. Alors, on va aussi déjà annoncer pour les gens qui veulent te suivre, tu as une page Facebook. Oui. Donc, qui est, si je ne me trompe pas, Myriam de Voskil 7, c'est ça? Je me trompe. Après, j'ai aussi un YouTube. Alors, est-ce que tu peux nous donner justement le nom de ta chaîne YouTube? Myriam de Voskil 7. Tout simplement. Et Instagram, Myriam de Voskil 7. Tout simplement. Donc, c'est assez facile pour pouvoir les gens qui puissent justement te suivre au niveau de l'émission, mais aussi te suivre dans tes futures aventures. Est-ce que c'est pas un rêve justement pour toi de pouvoir sortir ton premier EP, voire par la suite ton premier album? Oh oui, ça serait vraiment un grand rêve, ça. C'est quelque chose que tu voudrais. Ah, mais il y a aussi pas mal de chanteurs, puisqu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont eux-mêmes chanteurs, qui vont accrocher à ta voix et à ton talent, parce qu'il ne faut pas oublier que tu as du talent, ça c'est une certitude.
Merci. Donc, en tout cas, moi, ce que je, au niveau de Métropolis, ce que j'ai envie de te dire, c'est bon courage pour la suite, bon courage pour le, pour la suite de l'émission. Ah, je voudrais simplement dire un petit mot à tes parents pour remercier justement de nous avoir permis ici de pouvoir te rencontrer, de pouvoir faire une interview. Et écoute, ben, on va dire trois choses. Bon courage pour la musique, bon courage pour le chant, et bien bon courage pour tes études. Merci. Merci Myriam, et à très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Vous tapez à tout pour me ici. La vie c'est multi. Ouais. La vie c'est multi.